Bonjour à tous et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Omnisport. Je vous souhaite de passer une excellente semaine de football avec Grégoire Mané Dibégué, donc on va parler des Lions du Sénégal, baromètre des Lions. On va passer en revue l'actualité, les performances des Lions durant ce week-end. On a vu que les Lions ont été buteurs, donc le fait marquant, ce sont les buts. Donc beaucoup de Lions ont marqué, hein, en passant par Mané, Opanguet, Crépin Diata, Dembaba, Mamadou Fall, de Charleroi. Donc beaucoup de Lions ont marqué, donc Sadio Mané a donné la victoire au reste de Liverpool. Comme d'habitude, Sadio Mané c'est le grand patron, une passe décisive et un but, donc il offre la victoire au reste de Liverpool face à Bournemouth. Donc il ne reste plus que deux victoires au reste de Liverpool pour être champion d'Angleterre. Fletch anglais toujours, Watford, donc Ismaël Assar, donc Delian Watt Ben Sedwe, donc Jordan Ayew à Crystal Palace. Cheikh Kouyaté titulaire dans l'entre jeu au milieu de terrain toujours. Donc insister, Cheikh Kouyaté sera un milieu de terrain, il est titulaire dans l'entre jeu au milieu de terrain. Donc Cheikh Kouyaté, donc numéro 2, nous Ismaël Assar, 1-0. Donc Ismaël Assar n'a pas confirmé sa belle performance face aux Rats de Liverpool. Fletch France, donc Opanguet a été buteur, hein, dans la victoire Messine 2-1. Donc Opanguet, il a repris un bon centre venu de la droite, donc Moumba Kouba mu top ci air bi ni la def taxaw ci air bi ni 2 minutes 65 secondes après wacc ball Moumba Kouba Opanguet qui confirme que donc c'est une valeur sûre du football sénégalais et du FC Metz. Donc Sadio Diop a été auteur d'une passe décisive, de même que Moussa Agué qui a joué avec un système avec 3 défenseurs, il était piston droit et il a offert une passe décisive, donc le but de la victoire à Casper Dolberg. Donc Crépin Diata avec Bruges, il a marqué son 7e but de la saison. Donc Bruges est plus que jamais leader avec 15 points d'avance sur la Gant 3. Feuillet de Turquie, Dembaba a fait la différence. Il a marqué un joli but, vraiment joli but de Dembaba, comme si il avait 20 ans ou 15 ans. Dembaba refuse de vieillir. Donc Maguette dessine ay ñala ju mëna jomal goné motax mu ngi jomal goné yi nek feulé ci Turquie. Donc rien à dire, c'est le très haut niveau avec Dembaba. Donc Dembaba qui continue de faire de très bonnes choses avec Issam Belsekhi. Donc ñom ñoo jël premier en Jupiter League, donc en Super League Turque. Donc ñom ñoo jël premier avec 52 points devant Trabzonspor de Pape Badou Ndiaye qui a été accroché un but partout. Donc Pape Badou Ndiaye donc n'a pas réussi à battre Papi Dilaboji et Gaziantep. Donc c'est ça, donc les résultats des Sénégalais donc au niveau de la Turquie. Donc Fletcher Belgique Charleroi, donc Crépin Diata dougal avec Bruges, Charleroi aussi. Mamadou Fall a marqué, Mamadou Fall c'est un très bon attaquant, donc il a marqué son 7e but de la saison en 26 matchs, donc vraiment c'est le très haut niveau. Dembaba 9e but en 19 matchs, donc vraiment aussi les Sénégalais ont été performants. Donc Aliou Cissé Mom, donc Guinaou Bandam, il a des attaquants qui marquent, des militaires qui marquent, donc c'est le très haut niveau. Donc on a place à l'équipe type du week-end. Donc comme à l'issue de chaque week-end, regardez une joie équipe type du week-end. Donc il y a un système avec 3-4-3, 3 défenseurs centraux avec 2 pistons et donc 2 milieux de terrain et 3 attaquants. Donc là il y a 3-4-3. Pourquoi on a fait 3-4-3? Surtout pour Moussa Wagé, parce que c'est un ailier latéral, parce que lui il est plus à l'aise avec un système avec 3 défenseurs, parce que il n'a pas un grand gabarit, défensivement il n'est pas très fort, donc et techniquement offensivement il est fort. Donc Mateko piston muy mën di yek di centrer comme il l'a fait pour Casper Dolberg durant le week-end face à Monaco lors du derby de la Côte d'Azur. Donc 3-4-3 Lightek, Edouard Mendy dans le but, nous avons gagné 5-0, toujours phénoménal Edouard Mendy. Défense à 3 Lightek, Lamine Gassama, Gostepe, Pape Abou Cissé avec Olympiakos, Ousmane Bojioul, Pape Abou Cissé commençant à Gerard Plassam au niveau de l'Olympiakos le Pire. Après Papi Dilaboji, Lightek, axe central gauche. Donc lors de défense à 3 bi, Dilaboji avec Gaziantep, avec Pape Abou Cissé, Lamine Gassama, piston gauche. Youssou Sabali, lui, il est exceptionnel à ce poste. Donc, il joue au Bordeaux. Donc, il peut dépanner, il peut jouer ça au niveau de l'équipe nationale du Sénégal. Là, donc, piston droit, Matekfe, Moussa Wagé, qui a été exceptionnel. Deux passes décisives en 5 matchs. Donc, Moussa Wagé commence à s'affirmer en France. Milieu terrain, Matekfe, Cheikh Kouyaté, qui a battu Ismaël Assar. Toujours titulaire, Cheikh Kouyaté, exceptionnel au milieu terrain. Mobolko Crépin Diata, qui a été buteur. Nyonya Laitek, donc, au niveau du milieu terrain, attaque bi, Opanguet à droite, buteur face. Face à Nîmes de Sidi Sarr et gauche Sadio Mané, un but et une passe décisive face à Bournemouth. En attaque, Matefa Dembaba, un but et deux passes décisives avec Istanbul Başakşehir et leader du championnat turc. Donc voici l'équipe type de Grégoire du week-end. Edouard Mendy, Gassama, Pape Abou Cissé, Papi Dilaboji, piston yi, Matefa Moussa Wagé droite, Youssou Sabali gauche, milieu terrain, Crépin Diata, donc Cheikh Kouyaté, et en attaque, Sadio Mané, Opanguet, Dembaba. Dembaba.